Bonjour à toi, très cher internaute, et bienvenue sur La Philo de Belly. Es-tu venu chercher ta dose d'inspiration? Question du jour. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation énervante, mais vraiment énervante, et de te demander pour quelle raison ça t'arrive? Tu sais, de te dire que t'as vraiment pas de chance et que t'as vraiment la poisse en fait. Si tu n'as pas vu ma vidéo précédente, je t'invite à cliquer sur le lien et aller voir comment gérer ses nerfs face à une situation énervante. Parce qu'en fait, c'est la continuité de cette histoire. J'ai perdu mes clés et je me suis dit que de toute façon, ça servait certainement à quelque chose. Et il s'avère qu'en fait, j'ai compris aujourd'hui la raison pour laquelle j'avais perdu mes clés et que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Comme quoi, il y a toujours une explication à tout, mais on ne s'en rend pas compte dans l'immédiat. Parfois, ça peut être quelques jours après. Parfois, c'est même quelques années après où on se dit, en fait, heureusement que j'ai eu cette situation qui est arrivée pour pouvoir enfin être à la bonne place aujourd'hui ou avoir changé de situation. Ces deux jours m'ont permis, en fait, de vivre donc chez mes voisins qui m'ont hébergé gentiment. J'ai fait connaissance, en fait, du fils de ma voisine. J'ai rencontré donc Ben qui a 20 ans. Il est dans un environnement qui ne lui convient pas et il a une hygiène de vie du coup qui suit avec, et il s'enferme en fait grosso modo à fumer des pétards régulièrement, ce qui fait que finalement ça n'arrange pas les choses. Ben, je vais m'adresser à toi là. Ben, t'as 20 ans, t'as envie de faire du rap, t'es super doué, crois en tes rêves, crois en toi et va jusqu'au bout. T'as envie d'aller faire l'armée? Va à l'armée et crois-moi que je serai ton allié, crois-moi que je prendrai de tes nouvelles et que ça me fera un grand plaisir même de te faire des vidéos de motivation pour te féliciter d'avoir enfin mené une action qui va changer ta vie. Ben, si tu veux changer ta vie, tu dois mener une petite action au quotidien que tu ne fais pas habituellement. C'est comme ça, quand on veut transformer sa vie, ça commence par des toutes petites actions. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je répète, c'est trop important. Aide-toi et le ciel t'aidera. En fait, je fais aussi cette vidéo pour m'adresser à toi qui a cliqué sur cette vidéo, pour te dire que peu importe si la personne ne te ressemble pas, peu importe si elle n'a pas la même hygiène de vie que toi, ça reste une personne, ça reste une âme, ça reste un être humain. Il est important de rester dans le cœur et avoir une ouverture d'esprit, parce que ces personnes peuvent vous apprendre des choses. Et en l'occurrence, moi, Ben m'a appris des choses. Il m'a juste expliqué que à chacun sa vérité. On a eu de longues conversations, bien évidemment, sur la vie, sur la philosophie de vie. Et tu as raison, Ben, à chacun sa vérité. Ma vérité à moi, c'est de me bouger le cul pour pouvoir vivre la vie de mes rêves, pour pouvoir être en accord avec mon cœur, pour être en accord avec moi-même et me dire que le dernier jour de ma vie, je pourrais me dire, putain, yes, Belly, t'as fait tout ce que tu pouvais pour être heureuse, t'as fait tout ce que tu voulais, t'as mené les bonnes actions. Et je suis fière de toi. Voilà comment je veux me parler. Et franchement, Ben, je voudrais vraiment te parler comme ça aussi. Tu veux faire du rap? Fais du rap. Tu veux partir à l'armée? Va à l'armée. Tu veux chanter? Chante. Fais, mais vis ta vie. Vis la foi, demande. Même si t'as pas de religion, même si tu crois pas en Dieu, on s'en fout. C'est pas ça le problème. Demande à la vie. Demande à la vie, t'as rien à perdre. Concentre-toi là-dessus. Et toi, cher internaute qui a cliqué sur cette vidéo, mets-moi un gros like sur cette vidéo pour Ben, encourageons-le. Et je vous encourage également à partager cette vidéo parce que rappelle-toi d'une chose, lorsqu'il t'arrive quelque chose, une situation énervante, il y a forcément une explication. On ne peut pas l'expliquer tout de suite, mais peut-être que tu l'expliqueras dans quelques jours, peut-être que ce sera dans quelques années, peu importe. Mais no stress, la vie est belle, la vie est belle. C'était Belly qui vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.